Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes dimanche 7 mai 2023. Espoir Mouinouka avec nous. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs. Na pole, vraiment toutes nos condoléances à nos familles dans les sites Kivu, à Kalehe, celles-là qui ont perdu les leurs. Mais je ne saurais pas dire celles-là qui ont perdu les leurs, mais je vais plutôt dire à Paulé et à nos condoléances à la RDC. Parce que c'est le pays qui est en deuil. Effectivement, c'est là qu'on a perdu. Il y a les jeunes qui pouvaient servir la RDC, surtout les petits-enfants. Quand moi, j'ai vu les images, vraiment, ça m'a fait très, très c'est mal. C'est très choquant. Vraiment, je ne sais pas comment dire. Mm-hmm. Mais bon, et je ne saurais même pas être devant les caméras. Mais bon, c'est un devoir aussi. Et on est devant les caméras, mais ça fait mal. Et nous demandons plutôt aussi à notre diaspora, à notre communauté internationale, à nos compatriotes de se mobiliser pour Kalehe. Comme les gens l'avaient fait pour Uvira, le volcan. Comme les gens l'avaient fait pour Goma encore, les volcans, à l'époque il y avait eu éruption. Nous demandons toujours les gens qu'ils fassent quelque chose pour nos compatriotes de Kalehe. Il y a des innocents, vraiment ce sont des innocents. En plus, mais comme il y a une catastrophe naturelle, oui. Ça fait mal. D'accord. Mais faisons quelque chose. On s'est rendu sur le terrain hier, on a passé la journée dans les Kalehe. Il faut dire en tout cas que selon les bilans, quand on nous a donné ces places, l'administrateur du territoire, il nous a parlé plus de 200 morts, déjà plus de 200 corps enlevés dans des combles, donc 200 corps qui ont été inhumés, enterrés hier, mais il nous parle en tout cas qu'il y a plusieurs disparus, plus de 500, parce que jusque-là, les recherches se poursuivent pour que les bilans pourraient s'alourdir, parce qu'il y a des disparus. En tout cas, c'est vraiment triste, c'est une catastrophe qui a touché tous les pays, tous les Congolais. Il faut également saluer en tout cas la bonne foi de l'homme d'affaires de Goma, M. Vanny Bichweka, qui a mis à la disposition des journalistes, donc son bateau, il a mis à la disposition des journalistes un bateau qui a transporté les journalistes d'une manière urgente pour aller en tout cas s'enquérir et en fait des relateurs au monde entier ce qui se passe. Nous avons passé la journée là, nous étions là avec les confrères journalistes, on a vraiment fait des images, c'est bien que c'est triste. Et c'est douloureux en tout cas. Mais en tout cas, nous disons encore condoléances. Et je sais que les autorités s'impliquent, bien que le gouverneur du site qui vous ne semblait pas vraiment répondre favorablement au nom du chef de l'État. On a suivi ce qui se passe là, comment la population a dénoncé. Peut-être on y reviendra prochainement. Effectivement. Mais je pense que le gouverneur Ngoabije devrait tout faire. Et ça fait polémique déjà quand on voit comment nos confrères sont en train d'être inhumés, enterrés, voilà. Donc, Ngoabije, je crois qu'il doit revenir. Non, il doit partir, vous savez. S'il vous plaît. Vous savez, le sérieux problème de Ngoabije, c'est quoi? C'est quelqu'un... Exactement. Mais vous devez comprendre une seule chose. Oui. Lorsqu'il y a la vie d'un citoyen, lorsque l'un de nous meurt, ça veut dire que c'est la RDC qui est endeuillée. Mais les personnes qui devraient à tout prix faire respecter la vie d'un citoyen congolais, ce sont les mêmes personnes qui font tout pour que la vie d'un citoyen ne soit pas respectée. Et on a compris, il y a les gens qui sont payés par l'étranger pour faire échouer Tshisekedi et pousser la population à haïr Tshisekedi. D'accord. Et Ngoabije fait partie de ces gens. Même il si, est en tout cas largement critiqué. Même si certaines personnes autour de Tshisekedi soutient encore Ngoabije, mais Ngoabije est dans cette histoire. Il est parmi les gens qui font tout pour que la population puisse haïr les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et c'est pourquoi vous avez vu, l'un des proches de Ngoabije a été arrêté pour trafic de diamants.
ça on le sait. Oh, il reviendra prochainement, mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, on sait que je crois que les gouverneurs devraient Et il travaille pour. Et ses diamants sont vendus au Rwanda. Il devrait. Je pense qu'il a tout intérêt de rectifier les tirs parce que tout ce qu'il fait, ça ne reflète pas l'image du chef de l'État qui a la volonté de changer, de tout faire pour changer. En tout cas, merci Bouinouk. Alors, le sujet de cet entretien, on revient sur le 11e sommet du mécanisme régional. Le président Tshisekedi a encore une fois de plus dénoncé la violation, voilà, il a encore dénoncé la violation de l'accord cadre d'Addis Abeba par le Rwanda via le M23 et appelle en tout cas son évaluation. Dans son discours, à cette occasion, Félix Tshisekedi a une fois de plus dénoncé la violation de l'accord cadre d'Addis Abeba par certains États signataires, dont le Rwanda, en soutenant les groupes armés, notamment le M23. Déstabilisant ainsi la partie orientale de son pays, la République démocratique du Congo. Vous aviez suivi un discours encore du président Tshisekedi. Il a pointé encore une fois de plus Kagame sur le Rwanda. Vous savez, qui agresse aujourd'hui le pays. Ce qui me rend fier, même si je plaire mes compatriotes, mais et qui me donne encore sourire, puisque c'est la première fois que le gouvernement national ait un même discours. Vous avez suivi les ministres, la fois dernière, M. Moussa Nyamouissi, quand il était à Bujumbura, il est revenu sur la violation de cet accord, et le premier citoyen, notamment le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il est aussi revenu sur ça, mais lui, il a quand même martelé sur l'histoire, et il a encore dénoncé d'une manière systématique et stratégique l'agression rwandaise, puisque quelquefois nous on se demande mais quelle est l'importance de la RDC que nous soyons dans des organisations régionales, notamment CIRGL, que nous puissions respecter les accords cadres, puisque si nous on ne respectait pas ces accords, on pouvait faciliter les œufs de l'air, s'ils existent normalement, d'aller au Rwanda et chasser Kagame. Mais nous, comme nous sommes dans ces accords, et nous sommes signataires de ces accords, la population congolaise et son gouvernement font quand même quelque chose pour qu'il n'y ait plus guerre au Rwanda. Mais on s'est rendu compte que nous sommes les seuls gens qui respectent, qui aient quand même respect de ces accords. Mais on s'est rendu compte que mais notre voisin, lui, il soutient quand même les agresseurs, et notre voisin, il est la personne qui est à la hauteur et qui est derrière tout ce que nous vivons ici chez nous. Et il n'a jamais été à la hauteur de bonnes choses. C'est toujours à la hauteur de mauvaises choses. Mais ne vous en faites pas, puisque la population congolaise, nous avons une jurisprudence. Et la jurisprudence doit nous aider à comprendre comment tel ou tel dossier s'était déroulé. Notamment ce qui s'était passé au Rwanda. Comment est-ce que M. Kagame avait massacré toute une population au Rwanda. Comment est-ce que M. Kagame s'inspire toujours de la politique nazie uniquement que pour envahir les autres. C'est que nous encourageons tous ceux-là qui comprennent quel est le plan de M. Kagame, et nous félicitons aussi nos autorités pour avoir accepté de tenir toujours tête haute. Pour Tshisekedi, le Rwanda sous couvert du M23 s'est donné la liberté d'agresser, d'envahir une partie de la province du Nord Kivu. Oui, effectivement, mais nous l'avons toujours dit aux gens, les M23, terroristes RDF, ils n'ont jamais occupé cette province en entièreté. Ils se sont rencontrés à des difficultés, notamment cette mobilisation populaire, puisque ils ont du mal à acheter tout le monde, comme ils ont acheté certaines personnes. Mais ils ont du mal à acheter tout le monde. On a été tous mobilisés et on va rester toujours mobilisés, yeux et oreilles ouverts, voyez-vous. Ils se sont donné cette liberté d'occuper quelques particules, quoique ces particules ont eu l'impact sur la province en général. Mais quand même, il faut qu'on félicite cette jeunesse. La jeunesse qui fait toujours résistance. Et la jeunesse qui s'oppose toujours à l'argent produit par le Rwanda. Voyez-vous. Et même si le chef de l'État est venu sur ça, mais
on ne peut pas ou ne pas féliciter cette jeunesse qui fait quand même quelque chose d'incroyable. Puisque les Rwandais pensaient que, comme nous allons attaquer une partie du Nord Kivu, et la jeunesse du coup va venir de notre côté, comme c'était à l'époque de l'RCD, où ils intimidaient les gens, et c'était à la même époque où ils avaient occupé des terres ici au Nord Kivu, c'était à l'époque où ils avaient ravi les biens des citoyens congolais, les citoyens qui n'avaient pas la parole. Et c'est pourquoi que voit la jeunesse aujourd'hui aussi mobilisée pour réclamer que les biens de ses compatriotes soient encore restitués à ces gens. Mais quand même, comme nous le disons, c'est l'unité qui doit nous sauver, c'est l'unité et la détermination qui doit sauver la population congolaise. Ces dénonciations, il faut préciser, ont été faites en présence du SG, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, mais qui c'est... a lui aussi d'ailleurs appelé, encore une fois de plus, disons, il a dit qu'il faut que les groupes armés, notamment les M23, cessent en tout cas avec les hostilités, qui intègrent les processus et se retirent de toutes les zones. Vous avez suivi son discours, monsieur? Non, Antonio Guterres, c'est l'hypocrite du siècle ou bien l'hypocrite de l'année. La fois dernière, quand vous, les journalistes, vous étiez avec lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Les armes là proviennent de quelque part. Quelque part, c'est où? C'est au ciel. Au ciel? Oui. Non, mais la MONUSCO, c'est le tout premier financier du Rwanda. La MONUSCO partage les informations avec l'agence d'intelligence du Rwanda. Vous avez des preuves? Mais il y en a. Toi, tu y en as? Nous en avons assez. Ah oh. Mais oui, nous en avons assez. Vous savez, il y a certains départements de la MONUSCO, c'est géré par les Rwandais. Et vous devez comprendre, je ne suis pas déjà de Bitakwira, puisque lui, il dit qu'il n'y a jamais eu une lotique du nord, de l'est ou de l'ouest, ce sont les mêmes. Alors, moi, je ne suis pas dans cette philosophie, mais je suis d'avis que les Rwandais collaborent entre eux. Voyez-vous. Et les informations que récolte la MONUSCO se vendent au Rwanda. C'est vendu au Rwanda. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Et la MONUSCO a facilité l'agression de la RDC. La MONUSCO a fait plébisciter les M23. Et c'était effectivement lorsque la MONUSCO disait que nous n'avons pas l'armée à mesure d'anéantir les M23. C'est tout simplement puisque il y a leurs collaborateurs, il y a leurs membres au sein des M23. Mais nous, quand même, on a fait face à tout ça. On a fait face à tout ça. On a fait face à mobiliser notre population de résister, de ne pas fuir. Puisque les objectifs de la MONUSCO étaient quoi? Étaient pour faire fuir la population, que ces M23 maintenant, comme on a dit à la population, qu'ils ont des armes sophistiquées, les armes de la dernière génération, on ne peut pas faire face à eux. Voyez-vous? On va faire face à eux. Nous, on a de la population, mobilisez-vous. Restez debout. Aucun étranger protégera notre terre. Nous sommes les seuls et uniques qui avons ce devoir de nous protéger, de protéger la terre de nos ancêtres, de protéger nos familles, de protéger nos biens et nos enfants. On a tenu face à ça. Mais lorsque nous comprenons que la MONUSCO aujourd'hui cherche à montrer une désolation, mais la MONUSCO, comme ils n'ont pas le pouvoir sur le terrain, mais ils ont le pouvoir de sanctionner les Rwandais, puisque c'est eux qui ont fait des Kagame le maître qu'il est aujourd'hui, le maître des morts, voyez-vous. Comment ils ont, comment ça? Mais c'est simple. Faire Kagame maître comment? Maître des morts. Mais je ne dis pas ça, maître, trop, je ne dis pas maître de la génération, mais maître des morts. Ah, ça c'est trop. Il n'y a rien de trop, c'est juste de dire la vérité. Une vérité qui n'est pas construite autour de l'élément. Non, il y a trop d'éléments. Il y a trop d'éléments sur l'implication de M. Kagame dans tout ce que nous vivons et dans tout ce qu'on a connu comme génocide au Congo. Mais je ne suis pas le seul à prouver ça. Charles Onana en a prouvé. La dame Michaela en a prouvé. Il y a trop de personnes qui ont déjà parlé sur l'implication directe de tout ce que vivent les citoyens congolais et dans la région des Grands Lacs. Mais M. Kagame, aujourd'hui, que la MONUSCO nous fait plébisciter, M. Kagame, aujourd'hui, que les Occidentaux, notamment M. Macron, d'ailleurs,
que vous saluez, le chef. Non, je ne peux jamais saluer M. Macron, mais vous avez vu, c'est à son arrivée au Congo que nous avions brûlé les drapeaux français. Vous pouvez changer les castes, c'est normal. Et nous, on ne peut jamais soutenir une élite appuyée par les Français. Puisque nous savons, nous savons à l'époque où il y avait le minoir, la minoir au Rwanda. Ce sont des Français qui étaient majoritaires. Et vous savez comment est-ce que la minoir avait vendu les citoyens Hutus, les déplacer à l'interne au Rwanda, c'est la minoir. Donc la si je comprends bien, quitte la France pour la Russie, c'est ça un titre. Et la lucha n'a jamais été dans les poches des Français. Et la lucha, j'ai une... de l'Union Européenne. Non, l'Union Européenne, ce sont des hypocrites. Non, l'Union Européenne n'a jamais fabriqué la lucha. Ça, vous devez mettre en tête. C'était quoi alors, quelle organisation? L'organisation qui avait fabriqué la lucha, oui. Ça s'appelle la Conscience Nationale. Oh. Mais cette conscience nationale est à son siège où? Ici au Nord-Kivu. Et les fonds? Et dans nos cœurs. C'est les cœurs qui impriment, c'est les calicots qu'on voit. Effectivement. Ce sont les citoyens qui se cotisent pour soutenir les jeunes. Et ces jeunes-là, c'est pourquoi qui nous tenons fort. Et ces jeunes-là qui partaient matin, midi, soir en Europe. Non, ce sont des gens qui ont eu des passeports diplomatiques. Ce sont des manipulés. Moi, je suis tellement catégorique. J'ai refusé même fois d'aller en France. Je l'ai refusé même fois. J'ai refusé. Effectivement. Attends, Paris? Effectivement. J'ai refusé même fois d'aller en Allemagne. Voyez-vous. C'est puisque nous, on a compris. Si aujourd'hui, moi, je parvenais à quitter, par exemple, mon pays, la RDC. Mais il n'y a pas eu plus, il y a eu moins plutôt, voyez-vous. Et c'est ça la carte de ces impérialistes, voyez-vous. Elles veulent prendre. Au bon invitation à Paris, Poto. Non, c'est la réalité. Ngana boyango, même fois. Ngana boyango, même fois. Ah! Na boyango, même fois. Poto. Ouais. Pour rester à Goma. Et puis, ce sont les ambassades qui nous contactent pour ça. Et ils vous disent quoi? Ce ne sont pas des personnes qui viennent pour dire non, ce sont des ambassades. Mais nous, on a dit, mais c'est quoi l'essentiel? Aller en France, en Allemagne, c'est sans doute simplement qu'on est en Europe. Donc non. Tu préférerais aller, moi, par exemple, à Moscou que faire Paris? Non, même Botami et Moscou, mais aussi je préfère. Nous sommes fans à Wagner. Mais Wagner reste aujourd'hui une référence dans la lutte. Aux approuris. Bon, tant mieux. Puisqu'en Russie, il n'y a pas de homosexuels. La Russie ne soutient jamais l'agression de tel ou tel autre pays. Mais les Français, les Américains, nous devons tout simplement voir les bons côtés de l'histoire. D'accord, on revient sur notre affaire. Bujumbura. Quand je dis les bons côtés de l'histoire, je ne suis pas du genre de ceux-là qui font la publicité de l'Union Sacrée. Non, puisque de l'Union Sacrée, ce sont les mêmes personnes qui ont volé les Congos. S'il vous plaît. Il faut aider nos téléspectateurs à bien comprendre. Moi, je soutiens. Les chefs de l'État. Non, c'est pas. Je ne dis pas les chefs de l'État. Je soutiens toutes les personnes qui ont une vision pour aider la RDC. Notamment les chefs de l'État. Il a cette vision. Mais moi, je ne soutiens pas ceux-là qui ont endeuillé la RDC, ceux-là qui ont accepté de détruire les Congos sous Kabila, et qui viennent aujourd'hui tromper le chef de l'État, qui sont devenus des anges. Non, nous devons bien comprendre que... Tu sais, Mouinouka, on revient sur l'affaire de Bujumbura. Mais la question, on a... presque tous les chefs d'État étaient présents à ces assises, sauf le président rwandais, Kagame, qui s'est fait. Et Kenya aussi. Et le président Uhuru, disons, le président Ruto, William, dit que. Mais ce sont des collègues. Ils ont brûlé de leur. De leur absence. Dans ces assises. Comment non, ce sont des collègues. Mais oui. Oui, des homologues, c'est normal. Non, les collègues de l'histoire. Monsieur William Ruto, mais je vous dis la vérité, Monsieur William Ruto, Monsieur Paul Kagame, Monsieur Museveni, c'est une même école, ce sont les mêmes personnes. Je vous dis, il y a des preuves, je ne dirais même pas intangibles,
tangible, mais indiscutable. Ah, donc là, vous voulez dire trois panafricanistes. Non, 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 ne parlez pas de panafricanistes. Oh. Qui peut appeler aujourd'hui Kagame panafricaniste? Mais personne. Donc il ne mérite pas. Il ne mérite pas. C'est un nazi. Ah, c'est trop minou. Non, lorsque nous parlons de nazi, on ne parle pas de tout nilotique. Non. Nous parlons de nilotique qui incarne ici, l'esprit parle, des morts. Je parle que les deux chefs d'État ne sont pas... donc, ils se sont fait représenter par leur... par d'autres personnes, en fait. Exactement. Oui. C'est pourquoi je vous dis de cette unicité. Et pourtant, la bien, question qui était au centre, c'était comprendre cette crise dans la région. Mais ce sont les auteurs de cette crise. Monsieur Kaguta Museveni, Monsieur William Ruto et Monsieur Paul Kagame. Pourquoi Ruto et, qui vient à peine d'arriver non, au pouvoir? Non, à peine d'arriver, il a été ministre maintes fois au Kenya. Il a été vice-président maintes fois au Kenya, voyez-vous. C'est que nous, ce que nous voulons faire comprendre aux gens, c'est de faire comprendre quelle est la complicité de Monsieur William Ruto, quelle est la complicité de Monsieur Kaguta Museveni, quelle est la complicité de Monsieur Paul Kagame dans tout ce... Vous ne pouvez pas dire au moins... La complicité, comme vous le dites, ça, ça je vous apprête fortement, la complicité, entre guillemets, du chef de l'État, William Ruto, du chef de l'État. Et s'il vous plaît, l'autorité vient de dire, vous devez comprendre une seule chose. Exactement. Mais il y a l'autorité qui ne vient pas de Dieu. C'est l'autorité, excusez, c'est pourquoi je vous dis, il y a les ennemis internes et les ennemis externes. Les ennemis internes, ce sont ces vieux qui ne veulent pas comprendre. Ce sont ces vieux qui ont travaillé avec Paul Kagame dans l'RCD, qui ont travaillé avec Paul Kagame dans CNDP, qui ont travaillé avec Paul Kagame dans M23A. Il y a B aussi. Mais oui, ce sont ces petits terroristes inventés par les Rwandais. Merci. Et ces vieux, ils sont là, ils trompent le chef de l'État. Et ces vieux, ils financent toujours derrière les dos du chef de l'État, les groupes armés. Et quand je parle de groupes armés, là, il faut aussi clarifier. Les groupes armés étrangers. Je ne parle pas des groupes armés locaux ou bien internes, comme disait la Monisco. Qui est aussi un grand financier des terroristes. Ah, on n'avait pas, s'il vous plaît, des preuves, pas. Ce sont des accusations gratuites, Moïnok. Hein. Non, la Monisco, c'est notre partenaire qui est là depuis plus de 20 ans. Donc, c'est tout. Mais qui n'a pas. S'il n'y avait pas des avancées dans cela, le gouvernement ne pouvait pas accepter. Non, il faut se rendre merci compte. Beaucoup, il faut d'avoir été là aujourd'hui, dimanche. On ne va pas trop parler. On a d'ailleurs largement dépassé les minutes. Merci, nous disons encore au Paul et Sana, quoi, famille Ezote. Ouais. Donc, toutes les familles, en tout cas, qui ont perdu les leurs dans les Calais. C'est vraiment triste. Ouais. Les images sont vraiment choquantes. Nous étions là, ça fait tellement mal que le gouvernement se mobilise vite. Nous avons appris ce qui se passe au Rwanda. Au Rwanda, le gouvernement a commencé déjà à mobiliser les fonds sur le plan international. Mais Kinshasa ne comprend pas ce qui se passe. Nous avons, il faut vraiment le dire, nous avons appris que le gouverneur qui s'est rendu sur place les premiers jours, il a remis qu'une enveloppe de 500 000, ce qui fait du mal, il faut les dénoncer, on a des témoignages. Je vous dis, il y a des personnes payées par l'étranger, uniquement que pour détruire la vision de Tshisekedi et de pousser la population à haïr Tshisekedi. C'est pourquoi vous voyez. Ils ne vont pas réussir parce que Tshisekedi. Mais vous devez comprendre. Ouais. Au nord Kivu, il y a cela. La population se concentre sur la guerre pour gagner l'ennemi. D'autres se laissent aux spoliations. Au sud Kivu, Ngwabidje lui seul, il est impliqué d'une manière directe dans les trafics du coltan. D'accord. Pour les Rwandais. Parce que dans ce On a été touché par les catastrophes. Au lieu que. Non, vous devez. D'accord. Non. On comprend par rapport à ces accusations, à ces éléments, nous allons creuser. On reviendra ici demain lundi pour vous tendre le microphone et prouver ces éléments. Oui, on va. Jassim. Merci beaucoup. Jassim et moi. Merci non. d'avoir été là. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.